Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Nail Art, toujours avec Madame Glam. Donc, j'ai reçu un nouveau colis de la part de Madame Glam. Au départ, ça devait être un Nail Art de Pâques, mais je ne l'ai pas reçu avant Pâques. Donc, j'ai fait un autre Nail Art. Voilà, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous avez le code promo, le lien et tout ça en barre d'infos. Vous avez 30% avec mon code, ce qui paye largement les frais de douane si vous en avez. En sachant que cette fois-ci, sur ce colis-ci, j'en ai pas eu. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Plutôt à la grande chance le petit bonheur. Parce que sur 3 colis, c'est la première fois que j'ai pas de frais de douane. Mais en Belgique, les frais de douane, c'est très souvent. Voilà. Donc je vais vous montrer les vernis que j'ai choisis. Alors j'ai d'abord pris le Old School et il est très beau. C'est, je ne saurais même pas vous le décrire. C'est vraiment un lilas, un parme très clair, un peu grisonnant comme ça. Il est sublime. Franchement j'aime beaucoup la couleur. Donc vous voyez le rendu déjà. Hein. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'ai pris le Special Pink. Donc là, c'est un rose corail, comme ça, très joli. Et vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur sur ces vernis. J'ai pris le Jasmine Tea. Et oh my god, celui-là est trop beau. Mais je pense que vous n'allez pas bien voir les détails. En fait, c'est un gris. Un gris très clair avec des micro-paillettes vertes et bleues à l'intérieur. Mais je pense que vous n'allez pas bien voir les paillettes. On les voit. C'est vraiment très, très, très discret. Et celui-ci n'est pas opaque comme les autres. Vous allez voir comment je l'utilise dans le tuto juste après. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai pris un 4 size que je n'avais pas, évidemment, qui est le Patronus. Je l'ai choisi pour le nom. Alors, je ne l'ai pas utilisé dans cette vidéo parce qu'il ne va pas vraiment avec les teintes que j'ai mis. Et le... Alors, attendez, j'attends que le focus se fasse. L'effet est plus discret que, par exemple, le Super 4 Size que j'adore. Maintenant, je pense que juste celui-là sur l'ongle, sur une base noire ou sur une base marron, avec le Super 4 Size en plus par-dessus, ça peut être topissime à tester. Et du coup, dans la vidéo, j'ai réutilisé le Candy Cane, qui est un holographique que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup leur vernis holographique, là ils sont topissimes. Et voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire, donc je vous laisse tout de suite avec le Nail Art en musique.
Alors, je ne sais pas trop si j'aime ou pas, j'aime bien le système, mais je pense sur mon pouce ici, j'ai oublié de refaire les dots par-dessus et je trouve que c'est plus joli. Je vais vous montrer les deux à un côté de l'autre. Voilà, je trouve que comme ça, c'est plus joli et j'aurais pu soit mettre un water décal dessus ou un sticker si vous préférez, des strass ou juste une ligne avec par exemple celui-ci par-dessus. Enfin, voilà. Je trouve que ça fait plus joli qu'avec les dots par-dessus qui ressortent, mais c'est joli quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas trop si j'aime ou pas. Après, je pense que sur ongles plus longs, ça peut le faire parce que là, ça fait beaucoup de couches superposées, ce qui fait une épaisseur assez importante sur certains ongles. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce nail art ou pas. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. Je remercie encore une fois Madame Glam, j'adore ces vernis, vraiment big coup de cœur et franchement, même avec les frais de douane, ça vaut le coup tellement ils sont géniaux et qu'il y a un choix incroyable. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà craqué suite à mes vidéos ou pas. Et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.